Ladies and gentlemen, good morning. Let me start by welcoming the NATO Chief of Defense and Strategic Commanders to their second Military Committee meeting of this year. I would also like to welcome the two Chiefs of Defense for whom this is their first NATO Chief of Defense meeting General Claudio Graziani from Italy, welcome, and Lieutenant General Joseph Besvadze from the Czech Republic, welcome. Claudio Joseph Congratulations on your appointments. We are all very much looking forward to your advice and contributions in shaping the Military Committee's recommendations to the North Atlantic Council as we head towards the Warsaw Summit. I'm also very happy to welcome General Peter Pavel, my elected successor, successor, who will begin his tenure as chairman of the committee at the end of next month. To begin with, let me shine a spotlight on the current security situation. Every time we have met during the last two years, there have been significant developments in the global security environment. This time, the fighting in Yemen is fast becoming a regional conflict, potentially with spillover implications. While closer to home, Many of our allies are directly supporting the EU response to the migration crisis in the Mediterranean. I believe that this constantly changing security environment is the new norm. Our meeting today will establish a common understanding of the issues as a first step in developing coherent responses. It will set the tone and identify the way ahead for the NATO military authorities in the second half of this year. By the Warsaw Summit, NATO will have implemented the readiness action plan agreed by our heads of states and government. The readiness action plan adapts the military strategic posture of the alliance by enhancing our readiness and responsiveness to counter the distinct security challenges we face. Nous commençons aujourd'hui nos débats de fond à 28, en nous penchant sur l'évaluation de l'avancement du plan d'action pour la réactivité et sur les préparatifs en cours du sommet qui se tiendra à Varsovie en 2016. Les nations ont déjà constitué une force opérationnelle interarmée à traîner au niveau de préparation, la VJTF, intérimaire, aussi appelée force de fer de lance. Le développement de la VJTF se poursuivra tout au long de l'année au fur et à mesure du développement et du renforcement de ses capacités et de sa réactivité. L'Alliance met également sur pied six centres de commandement et de contrôle sur le territoire des Alliés orientaux. Il s'agit de mesures concrètes pour défendre l'ensemble des Alliés contre n'importe quelle menace. Nous terminerons les réunions de la matinée par le dépôt d'une gerbe en hommage à tous les hommes et femmes des pays alliés et partenaires qui ont servi dans des opérations et des missions dirigées par l'OTAN. Nous rendrons également hommage à ceux qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés au cours de ces missions. L'après-midi sera consacré à une série de réunions avec nos partenaires. Nous rencontrerons d'abord l'ensemble des vingt quatre partenaires de la plateforme d'interopérabilité, cette initiative a été lancée lors du sommet du Pays de Galles pour maintenir et renforcer l'interopérabilité qui existe depuis plus de dix ans entre l'OTAN et les partenaires qui ont participé aux mêmes opérations en Afghanistan. Cette plateforme permet également aux partenaires de participer à des exercices de l'OTAN. Cette séance sera suivie d'une réunion avec nos partenaires de la mission Resolute Support. Le haut représentant civil, l'ambassadeur Ismail Aramas, Saker et le commandement de la mission Resolute Support Mission, le général John Campbell, feront le point sur la situation. Leurs idées seront complémentées par le point de vue du général de corps d'armée Khalid, chef d'état-major par intérim de l'armée nationale afghane. Ces points de situation seront suivis de l'examen des modalités du partenariat durable renforcée de l'OTAN avec l'Afghanistan après 2016. De l'Afghanistan, nous passerons aux Balkans pour rencontrer nos dix partenaires de la CAFOR. Saker nous donnera un aperçu de l'environnement politique de cette zone et de la région et nous expliquera les évolutions de l'opération à venir. Notre intention, en fonction de l'évolution du contexte, est de réduire progressivement le volume de la CAFOR. Toute décision sera fondée sur les améliorations réelles sur le terrain et tiendra compte des incidences sur la sécurité régionale. We will complete our partner sessions by meeting with our special partners, Ukraine and Georgia. In both meetings, we will receive updates on how these two nations assess their regional security situation and on NATO's support to enhance The resilience of their military institutions. Tomorrow, we will remain a NATO format to identify and develop the military strategic approaches that frame NATO's strategic posture. This Discus discussion will also inform the supplementary guidance to the strategic commanders after the NATO's political guidance 2015 is formally agreed at the Defense, Mil Defense ministerial meeting in June this mccs will conclude with a briefing by deputy secretary general sir adrian bradshaw on potential initiatives to improve nato's force generation. the international military staff will update us on the status of work to continuously improve intelligence sharing across the alliance and between the alliance and partners. we will also review the status on the implementations of the agreed measures to improve cooperation, with the Mediterranean Dialogue. In each of our sessions, we will be supported by our strategic commanders, Sakur General Fried Breedlove, and Sacti General Jean-Paul Palomeros, who will provide the detailed military strategic assessments on the issues we will discuss. Last but not least, I would like to mention that this is the last MCCS for General Thomas Lawson. the Canadian chief of Defence, and me with my team as chairman of the military Committee, ending on 26 of June. je terminerai en souhaitant la bienvenue au président du comité militaire de l'union européenne le général patrick de rosier qui comme toujours enrichira nos débats je note qu'à antalya les ministres des affaires étrangères ont confirmé le besoin croissant de coopération toujours plus étroite entre nos deux organisations dans ce contexte patrick N'hésite surtout pas à nous faire part de tes points de vue. Merci d'être là. Je souhaiterais remercier les représentants des médias d'avoir suivi notre séance d'ouverture. Je les invite maintenant à bien vouloir quitter la salle. Merci. Thank you.